Waouh! Mais dans quel monde sommes-nous? Et si nous étions décidément au temps de la fin? Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyanswe Parana. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on vous a dit qu'on vous parlerait de cette vidéo qui est ici. Regardez. Ça se trouve ici, juste là devant vous, sous nos yeux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le plus grand secret des stars. Et ce n'était pas du tout joli. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo apparaîtra sur l'écran, juste ici. Vous aurez à cliquer là-dessus et vous découvrirez des choses que la plupart des gens ignorent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. Et des gens ont déjà choisi leur camp. Et il y a certaines personnes, pour pouvoir bien exprimer leur choix, ils le font au travers des clips. C'est-à-dire là, c'est le plus caché. Les signes sont visibles. Et quand on voit de telles choses, on comprend déjà que il y a un truc et un œil caché comme ça, c'est pas là pour rien. Et ça, c'est vraiment assez inquiétant. C'est un nouveau clip qui nous inquiète un peu parce que c'est une personne qui est suivie par des enfants. Et dans ce clip, on voit que ça parle de sexe, que de sexe. Et il y a même des choses terribles que nous essaierons de vous montrer, mais nous ne pourrons pas tout vous montrer parce que vous-même, vous voyez, c'est grave. Qu'est-ce qui veut pousser les gens à faire telle chose? Mes frères et sœurs, il y a décidément une guerre entre le bien et le mal. Et le diable veut entretenir les gens. Il veut les âmes des gens. Quand une personne vient pour chanter là et elle fait un clip même en plus, le clip devient comme un message publicitaire où le diable va faire sa propre publicité. On va vous inciter à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, juste pour corrompre vos âmes, corrompre les âmes des gens. C'est un truc qui va mener les gens à recevoir de mauvais messages qui risquent de les transformer plus tard. C'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Là, nous cherchons à voir les informations. Dès que nous avons les choses, vous verrez. Déjà, on voit une personne qui est juste là, et comme vous pouvez le voir, juste là, là où il y a sa main, on voit carrément les ongles d'un démon. C'est comme les ongles d'un démon qui étaient là. Les ongles d'un démon. Ah, qu'est-ce que c'est? Des ongles d'un démon. Sérieux? Des ongles bien étirés. Ça veut dire que ici, on a affaire à un cas de possession. C'est comme si on disait que ah, ça c'est un cas de possession. Et les gens se mettent à danser. Et ça se met à danser, regardez ce qu'on montre. On montre n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et ça parle. Et elle dit Alléluia, je suis libre, Alléluia, je suis libre, Alléluia, je suis libre. Comme si on disait un démon qui disait qu'il est libre. Maintenant, quand tu es libre, c'est ce que tu dois montrer. On ne peut pas vous montrer à proximité parce que c'est une femme qui est nue. Une femme nue, carrément, juste là comme ça. Et les enfants vont regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? C'est vraiment dangereux, c'est pourquoi nous faisons ce clip, cette vidéo réaction, pour que vous puissiez vraiment faire très attention. Le diable ne joue pas. Là nous jetons encore, dès qu'il y a une information assez étrange, nous allons vous la montrer. Parce qu'il y a vraiment des trucs terribles. Et il y a vraiment des trucs terribles. Et vous voyez que là, on voit une fille comme du genre une super héros. Ça me sait même ce qui prouve que c'est un truc même qui est destiné aux jeunes. Aux jeunes. Même aux enfants en particulier. Puisque les super héros, c'est chez eux, on voit ça la plupart du temps.
Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire juste pour avoir du succès? Juste pour avoir du succès. Et du coup, on voit vraiment une femme ici avec la tête. Vous voyez ici sa tête. Est-ce qu'on peut vous montrer cacher quelque chose? Regardez ici sa tête. On voit des yeux comme comment ça s'appelle? Comme le soleil. Ça représente le mari qu'on voit dans certains chrétiens. On voit Marie avec un enfant dans certaines églises. Ça, ce n'est pas Marie. Nous savons tous que la vraie Marie, elle est décédée. Et ça représente la reine du ciel. Et cet enfant que tu as dans la main là, en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ. On nous fait croire que c'est Jésus-Christ. Même si c'est Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fout là dans un endroit où on doit exposer la nudité des gens, où les gens font n'importe quoi? Est-ce que c'est un blasphème? Mais tu es terrible. Terrible, 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 terrible. Waouh. Et il y a la musique à côté. Et les gens dansent. Les gens dansent, les gens bougent. Et ils sont tous dépalés. Alléluia, je suis riche, je suis libre. Alléluia, je suis libre. Waouh. La fille de la mer. Non, pas de la fille de la. Le titre, c'est ma veuve. Bon, on dit pas le titre, on dit pas le titre. Mais regardez, il y a tas de choses assez incompréhensibles dans le truc, comme si c'était une scène pornographique. Franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer ici. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment terrible. Et c'est vraiment étrange. C'est vraiment, vraiment trop étrange. Moi, vraiment. Regardez, vous voyez ça à distance. C'est comme deux tétons. C'est comme deux tétons. Qu'est-ce que ça fout ici? Et ils sont en train de bouger l'un sur l'autre. Les gens se caressent, ils se touchent. C'est vraiment un truc vraiment très chaud. On voit une fille nue qui est en chine. Et encore cette même truc, quelque chose terrible. Waouh. Ce que nous voyons ces derniers temps, c'est pas de la blague, c'est pas de la fumée. Je regarde, hein. Je vous dis juste ce que je suis en train de voir. On peut pas tout vous montrer. Le diable n'est plus caché, les gens affirment, ils s'affirment, ils nous montrent directement à quel groupe ils appartiennent et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, qu'est-ce qu'il y a. Pour que nous soyons déjà informés de cela. En vrai, c'est une femme carrément nue qui est censée être en train de pratiquer le rapport avec quelqu'un, avec des gens. Juste carrément. Voilà. Franchement, c'est vraiment un truc bizarre. C'est vraiment un truc vraiment bizarre. Le truc, c'est que vous regardez les clips comme ça, vous avez l'impression que ça a l'air inoffensif. Mais les images dans le clip, ça nous rappelle à chaque instant le sexe. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Des positions sexuelles, tout ce qui est vraiment terrible. Vous devez vraiment faire très attention. Elle se caresse même les mamelles. Tout ça. Et ça s'appelle un clip. Ça va aller. Dès que vous arrivez là, déjà vous savez où vous êtes. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Faites très attention. Le diable existe, il est là. Et il travaille, il fait gagner des âmes. Faites très attention à votre âme. Prenez soin de vous.